demi-mesure, c'en est une, là, la loi d'août dernier, ou c'est déjà un premier pas? Je pense qu'on est, oui, on est dans la demi-mesure, parce que en gros, il faut pour l'entreprise avoir un plan vers l'égalité. Mais si vous ne le respectez pas, il n'y a aucun problème. Donc en fait, c'est uniquement du déclaratif. Alors on peut me dire c'est bien, c'est déjà ça, sauf que ça fait 40 ans que c'est déjà ça. Ça fait 40 ans qu'on a posé le principe. La loi qui pose le rapport d'égalité comparée, c'est 1983. Moi, j'étais à peine né, la loi Yvette Roudy. Et donc maintenant, il faut passer vraiment à l'obligation. Alors une vraie mesure, c'est quoi? Une vraie mesure, c'est des amendes absolument dissuasives, par exemple 10% de la masse salariale. Et puis, c'est des amendes au fur et à mesure que la loi n'est pas respectée. C'est offrir un vrai recours facile, automatique presque, aux femmes qui peuvent se sentir discriminées. Et puis, c'est vérifier. C'est que l'inspection du travail vérifie. Ben, vous avez fait un plan, OK, un an plus tard, on en est où? Là, aujourd'hui, l'inspection du travail n'a pas les moyens de le faire. Et en plus, elle n'en a pas le pouvoir.